Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, ce matin, à la cérémonie de la 14e édition des Journées nationales de la défense, au cœur de la base aérienne 01, Ali Reynald Radjumba et Lambert Mpouri de la presse présidentielle. La 14e édition des Journées de la Défense nationale, placée sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, a été marquée par l'exécution de l'hymne national. Honneurs militaires et revues de troupes ont caractérisé l'arrivée du chef de l'État Libongo Ndimba à la base aérienne 01 de Libreville, suivi d'une série de remises de médailles de reconnaissance et de mérite à plusieurs personnalités civiles et militaires. À l'occasion de cette 14e édition placée sous le thème « L'action des forces de défense et de sécurité dans la surveillance du territoire », les différents corps de forces armées gabonaises ont rivalisé d'adresse pour offrir au public les démonstrations dynamiques et vols planés des mirages. Une manière pour ces forces armées de démontrer au public gabonais la bravoure et la détermination qui les caractérise à travers les exercices dynamiques. Tout au long de l'événement, des stands d'information et de sensibilisation sur les différents corps de métier de la défense nationale sont restés ouverts au public pour informer les populations sur les rôles et les missions des forces armées du pays en vue de susciter des carrières militaires chez les jeunes. En commando, c'est le